Gencives bombées. Lèvres inférieures charnues. Front étroit. Oreilles normales. Expression générale du faciès plus ou moins judaïque. Hanches naturellement larges et flasques. Je sous-signé estime que d'ascendance soit judaïque, soit arabe. En conséquence, le cas est à considérer provisoirement comme douteux. Vous pouvez partir. Les résultats vous seront envoyés par la préfecture de police. 1942년 프랑스 파리. 부유한 미술품 딜러 클라인에게 그날도 한 판매자가 찾아옵니다. Je ne dois pas les dépenser en France. Très bien. Peut-être mon grand-père, parce qu'il est venu de Hollande. 어쩐 일인지 남자는 집안 대대로 내려온 값비싼 물건을 헐값에 팔려고 하는데 à Monsieur Robert Klein. 클라인은 나치를 피하기 위해 돈이 급한 유대인들을 상대로 값비싼 미술품들을 헐값에 매입하는 악독 딜러였죠. Depuis Paris, 16 janvier 1942. 그날도 유대인을 상대로 큰 돈을 챙긴 그에게 한 통의 신문이 도착하는데 Vous avez dû le laisser tomber. Non. C'est le facteur qui l'aura posé devant votre porte. 어쩐 일인지 유대인들에게만 전달되는 유대인 신문이 그의 이름과 주소로 배달된 것이었죠. 제2차 세계대전이 한창이던 1942년 프랑스 또한 나치의 손길을 피해갈 수 없었고 수많은 유대인들이 나치 수용소로 이동되거나 남다른 차별을 받고 살아가고 있었는데 유대인 신문이 도착했다는 것은 생명의 위협을 받을 수도 있는 중대한 문제였기에 클라인은 곧바로 신문사로 향합니다. Ce matin, j'ai reçu votre journal adressé à mon nom. C'est bizarre. Il faut attendre que la préfecture nous rende le fichier de nos abonnés. La préfecture ? Oui, la préfecture de police. C'est la préfecture qui nous a permis et conseillé de publier notre journal. 하지만 그는 경찰이 유대인 명단을 관리한다는 말을 듣고 경찰서로 찾아가는데 Robert Klein, vous avez dit. Il y a Robert Klein, mais l'adresse n'est pas la même. Mais il subsiste toujours le fait que quelqu'un a écrit mon nom sur le journal, pourquoi ? Vous habitez où, vous m'avez dit ? 136 rue du Bac. 경찰은 클라인을 의심의 눈초리로 바라보며 사건에 미지근한 반응을 보입니다. Heureusement pour moi. 결국 그는 스스로 사건을 해결하기 위해 그와 동명이인인 유대인 클라인이 살고 있다는 주소지로 찾아가는데 Je ne sais pas grand-chose sur lui. Je ne le voyais pas souvent, vous savez. À mon avis, c'était une grue. Lui, il ne sortait que la nuit, une fois que j'étais couché. 그곳에는 형사들이 이미 클라인을 찾고 있는 중이었고 Le voilà. Vous êtes bien monsieur Klein, le locataire du premier. Je ne suis pas votre monsieur Klein. Je croyais bien que c'était lui. La même allure quoi. 그는 느닷없이 자신을 유대인으로 착각한 집주인 때문에 경찰의 시선을 끌게 됩니다. Alors vous voulez habiter ici? Non, c'est pour un ami qui vient vivre à Paris. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. 잠시 후 그는 유대인 클라인이 살았었던 방을 보게 되는데 Il faudra retapisser les murs, le papier est tout moisi. Et puis il faudra une bonne désinfection pour tuer les rats. Et puis repeindre le plafond. 집주인은 마치 집을 내줄 생각이 없다는 듯 차가운 태도를 보입니다. Plus l'électricité, le nettoyage des escaliers. 그때 클라인은 그곳에 있는 책에서 한 사진 봉투를 발견하고 클라인이 누군가가 사용한 면도칼을 집어들자 그녀는 갑자기 겁먹은 듯한 태도를 보이죠. Je vous demande pardon, monsieur. Votre mari est mort. Une jolie fille et un beau chien. Et le sidecar, vous l'avez toujours ? Je peux. 사진의 내용물을 확인하고 집으로 돌아온 클라인. Dis-moi, il t'attend, Robert. 하지만 그의 집에는 일전에 본 경찰들이 찾아와 있었고 Il me semble que nous sommes déjà rencontrés. Vous prendrez bien quelque chose ? Non, merci. Nous allons ensemble quelque part ?
au commissariat de Pigalle. Encore ? J'y suis allé après notre rencontre. Vous devriez peut-être lui téléphoner, ça éviterait de perdre du temps. Vous ne voyez pas qui peut être cet autre Klein ? Absolument pas. En tout cas, si jamais vous apprenez quelque chose de nouveau. 다행히 그들은 클라인의 말을 듣고 한 발 물러서지만 클라인의 변호사인 피에르는 이 사건에 대해 불길한 생각을 내비칩니다. Alors quoi, cet homme qui a le même nom que toi, un juif ? Comment a-t-il fait pour me connaître ? Paris est plein de tes cartes de visite, alors. Alors ça, c'est quelqu'un qui m'en veut, qui me cherche des ennuis, voire me provoquer. Et puis, les juifs sur le gouvernement de 점점 더 심해져가는 가운데 클라인의 집에 또다시 유대인의 신문과 함께 정체를 알 수 없는 한 통의 편지가 도착합니다. Après demain, c'est notre 26 janvier. Je suis ici, je t'attends. Tu sais, n'est-ce pas, que tu ne dois pas le rater, car cette fois, je te le jure, Florence. 그건 바로 유대인 클라인과 내연 관계인 플로랑스라는 여자에게서 온 편지였는데 클라인은 그녀로부터 정보를 얻기 위해 곧바로 편지에 적혀 있는 주소로 찾아가죠. Monsieur Klein, voulez-vous me suivre, monsieur? 클라인은 자신을 유대인으로 착각한 운전수를 따라 그녀의 저택에 도착하지만. Robert Klein. Oui, je sais, c'est une histoire un peu compliquée. 그들은 클라인이 다른 사람이란 것을 알게 되고 잠시 후 클라인은 편지를 보낸 플로랑스를 만납니다. Robert, à Pigalle. Oui, monsieur aussi s'appelle Robert Klein. Vraiment? Comme Robert? Et que faisait Robert à Pigalle? Rien. Mais je crois qu'on nous attend. Ne pourrait-on pas la lire après dîner? 플로랑스는 마치 아무것도 모르는 듯 자리를 떠버립니다. Si vous connaissiez Robert comme je le connais. 하지만 다음 날 아침, 클라인은 다시 한번 그녀를 찾아가고 Vous vous rendez compte que je pourrais aller à la police? Alors il faut parler. Où est-il? 클라인은 그녀를 협박하며 그녀가 알고 있는 유대인 클라인의 주소에 대해 캐묻습니다. Mais il faut d'une façon ou d'une autre que je sache ce que ce monsieur veut de moi. La police s'en chargera. D'accord. 그런데 136 rue du Bac. 그녀가 말한 곳은 바로 클라인 자신의 집이었고 C'est grave. Dis-moi, les Klein, vous êtes français français ou est-ce qu'il y a des juifs dans ta famille? 클라인은 자신의 정체성에 혼란을 겪기 시작하며 자신의 조부모를 찾아갑니다. Qu'est-ce que tu viens faire? Te voir. La nostalgie des origines. Et aussi le mien, naturellement. Pourquoi ça? Mais plus sûr de quoi? Des origines. 그리고 결국 클라인은 자신의 상황에 대해 털어놓는데 Juif? C'est impossible. Alors c'est peut-être la branche hollandaise, une toute autre race. Que nous sommes français et catholiques depuis Louis XIV. Alors ces Klein de Hollande, tu les connais? Et de cet autre Robert Klein? Jamais. 그의 조부모는 그에게 한껏 성을 내며 그가 유대인 출신이 아니라고 못 박지만 경찰은 그에게 2주 안에 출생 증명서를 제출하라는 명령을 내립니다. 하지만 알제리계의 외가 쪽 출생 증명서의 발급이 지연되자 그는 조금씩 초조해지기 시작하는데 Je sais, mais ce peut que ce soit pas pour moi. Pourrait se cacher là dans tout ce monde, non? N'allons pas continuer à attendre comme des imbéciles un certificat qui arrivera Dieu sait quand s'il arrive. Essayons toujours d'obtenir. Non. Je n'admets pas qu'on mesure mes narines, mes oreilles et le reste. Je préfère attendre les certificats de la communarde. Parce que je suis un bon français et je crois dans les institutions. Je suis Monsieur Klein. Ben, il y a une personne qui me demande au téléphone. Ben, elle a dû partir. Hein. Comment était-il? Enfin, à peu près comme vous. Non, c'est pas possible, dans une demi-heure, il y a le couvre-feu. Eh bien, je dormirai ici. À l'administrateur, c'est... Demain, je lui parlerai demain. Mais vous plaisantiez, hein, dites donc que vous vouliez dormir en haut. Pourquoi? Vous en faites pas, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Ah, ce Klein, là, il a plus donné signe de vie? Et la fille non plus?
Comment s'appelle-t-elle déjà ? Isabelle ?클라인은 무작정 집안으로 들어와 유대인 클라인의 흔적을 찾기 시작하는데 그때 갑자기 누군가로부터 전화가 걸려옵니다. Oui. C'est toi, Robert? Je suis en face. Je t'ai vu à la fenêtre. Il est arrivé quelque chose? Non. Et alors, comment ça se fait? 하지만 무언가 이상함을 느낀 그녀는 곧바로 전화를 끊어버리고 Il y a quelqu'un qui téléphone tout le temps. Qui était-ce? Je ne sais pas. Une voix de femme. Mais non, je suis bête. Comment pourriez-vous le connaître? 클라인은 결국 유대인 클라인에 대한 정보를 얻지 못하지만 그는 그곳에 있던 부츠가 연극의 소품임을 알게 되고 집주인이 말한 이자벨이란 여자를 찾기 위해 극단으로 찾아갑니다. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ce monsieur cherche une des filles. C'est Cathy. Et elle travaille plus ici. Est-ce que vous savez où elle habite? Ben, avec lui, je crois. Je l'ai vu peut-être deux fois quand il venait la chercher. Un gangster, tu vois. Ou alors un macro. Je l'ai vu l'autre jour. Oh, et avec cette salopette affreuse. Une salopette? Où l'as-tu rencontrée? Dans le métro, à Ballard. 클라인은 극단의 단원으로부터 사진 속의 여자가 공장에서 일한다는 것을 알게 되고 그는 그녀를 찾기 위해 곧바로 지하철역에 있는 공장으로 향하죠. Pardon, mademoiselle. Connaîtriez-vous cette jeune femme? Non. Elle risque pas d'être ouvrière, tu regardes. Qu'est-ce qu'elle a sur la figure? C'est pas votre fiancée, par hasard? Non, non, pas encore. Bah, c'est Françoise. C'est la nouvelle. Elle s'appelle pas Cathy. Pas du tout, c'est Françoise. Michel! C'en est une qui travaille avec elle. Regarde la petite Françoise. 그때 그녀를 알고 있다는 미첼이란 여자가 나타나는데. Non, ce n'est pas Françoise. Michel, elle était au monsieur. Je croyais que c'était une blague. Je suis désolée. De toute façon, ce n'était pas Françoise. Peu importe, le négatif. 그렇게 유대인 클라인 행방은 오리무중인 가운데 클라인에게 자신의 출생을 증명할 시간이 점점 더 사라져만 가고 경찰은 급기야 그의 집에 침입하여 그의 재산까지 몰수하기 시작합니다. Maintenant, tu vas me faire plaisir de porter plainte contre ces messieurs pour violation de domicile, effraction et ainsi de suite. Ne sois pas absurde. Moi ? Selon eux, je ne peux plus aller nulle part, même pas dans les pissotières. Plus de bar, plus de tram, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien. Tout interdit. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé! Ça n'est pas une marchandise, c'est personnel. Tâchez de lui faire comprendre que... Et du vice de ma part, c'est la loi. Mais elle ne me concerne pas. Je n'accepte pas d'être pris pour un autre et de payer pour un autre. Et ça n'a rien à voir avec moi! Cela reste à prouver. Pierre? Oui? Et la fille? Envolée. Elle ne s'est plus présentée à l'usine et puis l'adresse qu'elle a donnée au bureau du personnel est fausse. On ne sait rien d'elle. Robert. 그렇게 클라인은 그동안 모아둔 미술품들을 모두 경찰에게 빼앗겨 버리고 Je sais où m'adresser pour un faux passeport parfait puis pour obtenir un visa. Puis quand tu auras ton passeport et ton visa, bien au dernier moment, nous vendrons. Et combien ça peut valoir tout ça ? Une dizaine de millions. Et tu te contenterais de 7, 8. Non. De toute façon, je ne vends pas, je ne pars pas. 결국 집을 팔아 돈을 구하고 그 돈으로 위조 여권을 구입하여 파리에서 떠나기로 결심하는데. Bonjour Georges. Bonjour. Il est à vous? Non, je l'ai trouvé en arrivant ce matin. Pourquoi vous le prenez pas avec vous, monsieur Klein? Vous n'avez pas les chiens? Si, les chiens des autres. 우연히 길가에서 마주친 한 강아지가 그를 쫓아오기 시작하죠. Janine! C'est incroyable! J'ai l'impression que c'est le même chien. Il était là, dehors,
Tout seul. 그는 유대인 클라인의 사진 속의 개와 똑같은 개를 발견하지만 Robert, un instant s'il te plaît. Je m'en vais. 이제 아무것도 남아있지 않은 그에게 그의 애인인 잔인마저 떠나버립니다. 그리고 며칠 후 마침내 그는 피에르로부터 위조 여권을 건네받고 마르세유로 향하는 기차에 오릅니다. Voilà ton passeport. Bon, alors ton billet de chemin de fer jusqu'à Marseille et puis ton billet de bateau. Il part après demain matin. L'argent? Combien en moins? 100 000. Oh, dans ces papiers, 500 000, c'est... T'inquiète pas, j'ai toujours voulu avoir un chien comme ça. Oui, mais lui n'est pas n'importe qui. Bonne chance, Robert. Bonne chance à toi. 그렇게 피에르와의 작별 인사를 마치고 기차에 오르는 클라인. 곧이어 기차는 파리를 떠나 마르세유로 향하는데 앞자리의 여성을 빤히 바라보던 클라인이 그녀에게 말을 겁니다. Bonjour Françoise. Bonjour Cathy. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Comme vous voyez, vous vous trompez de personne. Vous ne le savez pas, mais dans un certain sens, nous sommes de très vieux amis. Puisque nous avons un vieil ami quand même. Robert Klein. Non, vous n'êtes pas un ami de Robert. Vous êtes vu à la gare, il y était. Vous n'êtes même pas salué. Je ne suis pas son ami, il n'est pas mon ami non plus. Excusez-moi. 그런데 그녀의 말을 들은 클라인이 갑자기 자리에서 일어나 영무원에게 다가가고 어쩐 일인지 그는 파리로 돌아와 피에르의 집으로 찾아가죠. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Enfin, je veux téléphoner. Ce n'est peut-être plus la peine. Enfin, je comprends pas. Qui téléphones-tu? À monsieur Klein. Il n'a jamais bougé de chez lui. Donnez ma carte de visite à la concierge et il rentrait toutes les nuits. Allô? Allô, Robert Klein? Robert Klein. Ah. Je vous cherchais, moi aussi. Je voulais vous parler. Tout de suite? Chez vous. Dans une demi-heure. Dans une demi-heure, je descends vous ouvrir. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ridicule. Envoie les flics. Je t'ai dit que c'est une question personnelle. 잠시 후 그는 클라인을 만나기 위해 그의 집으로 향합니다. 그런데 하필이면 클라인은 그때 경찰에게 발각되어 끌려나가고 이 모든 일은 사실 피에르가 클라인을 위해 경찰을 부른 것이었죠. C'était un criminel. Et puis j'étais inquiet pour toi. 그런데 클라인은 마치 자신에게 일어난 일인 것 마냥 분노를 표출하고 그는 자신의 집으로 돌아가 유대인에게 헐값에 구입했던 누군가의 초상화를 바라봅니다. 그리고 다음 날 아침 Monsieur Klein? Robert de Guigny. 그는 피에르에게 받은 위조 여권에도 불구하고 자신을 알아본 한 경찰에 의해 결국 유대인들을 연행하는 버스에 탑승하게 되죠. 하지만 얼마 지나지 않아 그들을 실은 버스는 한 사이클 경기장을 개조한 수용소에 도착하고 클라인은 그곳에 있는 수많은 유대인들과 함께 아무것도 갖춰지지 않은 이 삭막한 수용소에 수감당합니다. 그때 그는 피에르가 자신을 찾는 것을 발견하는데 Qu'est-ce que tu fais? Je reviens! Robert! Je reviens!
클라인은 아무런 저항 없이 돌아오겠다는 말만 남긴 채 그대로 안으로 끌려갑니다. 그리고 그날 밤 그들은 아우슈비츠로 향하는 기차에 탑승하는데 클라인은 모든 걸 포기한 듯 허망한 표정으로 철장 밖을 바라봅니다. 300. Vous moquez de moi. Marqué à ce compte-là, je préfère le garder. Eh bien, comme vous voudrez. Facile avec quelqu'un qui est obligé de vendre, n'est-ce pas? Je ne suis pas obligé d'acheter. Faites-moi une offre raisonnable, au moins.